C'est une affaire sordide qui passe devant les assises d'Indre-et-Loire à partir de ce mercredi. L'histoire d'un homme souffrant de handicap mental, tué à coups de couteau par sa compagne à la Riche en 2017. Épilogue de maltraitances habituelles, la femme comparaît aussi pour actes de torture et de barbarie. Son amant aurait laissé faire. Compte rendu d'audience, Florent Clavel. Une relation toxique entre deux êtres aux vies cabossées. Lui, handicapé mental, elle, enfant adopté et psychotique. Leur trajectoire sera éclair et mortifère. Voilà l'histoire qui s'écrit derrière nous au tribunal de Tours. William est décédé à 21 ans sous les coups de dague de sa compagne. C'était un soir de novembre 2017 dans un appartement de La Riche. Une mort lente, selon le rapport d'autopsie, à l'image de l'enfer subi par la victime pendant 3 mois. D'abord les disputes violentes, puis les bousculades et enfin le coup de couteau quotidien infligé par l'accusé. Au total, 132 plaies, plus ou moins anciennes, seront relevées sur le corps de la victime. Mais William a subi d'autres sévices photographiés par l'accusé elle-même. William en sang, William les cheveux en feu, William léchant son urine. Ces clichés, Amanda les enverra à son amant, poursuivi lui pour non-empêchement de crime. Pour la partie civile, la victime n'avait aucun moyen de se défendre. C'est le drame de ce jeune garçon qui a rencontré la personne qu'il ne fallait pas rencontrer. Voilà, d'une immense violence qui parle de haine. Alors on dit qu'elle a de la haine contre elle. Elle a surtout de la haine contre lui. Voilà, contre ce jeune homme de 21 ans, simple d'esprit, vulnérable, sans aucune capacité de résistance. Le soir du meurtre, la jeune femme de 21 ans n'avait pas l'intention de tuer son compagnon. C'est en tout cas ce qu'elle déclarera aux enquêteurs, thèse non retenue par l'instruction. 2 collèges d'experts psychiatriques sur 3 relèvent toutefois une altération du discernement au moment des faits sur fond de schizophrénie, mais aussi une forme de sadisme. Des traits psychologiques qui, selon son avocat, sont déterminants, tout comme la situation personnelle et familiale de l'accusé. Elle a une personnalité, ce qu'on appelle limite, borderline, liée à des carences affectives, à un parcours très particulier. Et donc cette évolution de son trouble mental a conduit au passage à l'acte et à la commission des faits. Après l'examen de personnalité aujourd'hui, place à celui des faits demain. Emprisonné depuis 4 ans, l'accusé est poursuivi pour meurtre et torture sur personne vulnérable. Elle risque la perpétuité.